Me revoilou pour parler d'un album jeunesse qui, de nouveau, est très fun, qu'on a envie de raconter tous les jours. Non. Petit Doux n'a pas peur, de Marie Wabs, Wabes. C'est l'histoire donc de Petit Doux, qui est un petit ours, un petit bébé, très mignon, qui a mes câlins, tout ça. Et de son amitié avec Gros Loup Gris. Ils sont super potes, Gros Loup Gris met Petit Doux sur son dos, ils vont se balader, ils font des chatouilles, bref, très complices. Jusqu'à ce qu'on apprenne que parfois quand même, Gros Loup Gris, il a des idées cheloues. Il oblige Petit Doux à jouer avec son long nez poilu. Et Petit Doux, il kiffe pas trop quoi. Mais Gros Loup Gris, du coup, quand Petit Doux il veut pas, et ben il devient un peu sauvage, il grogne. Alors le Gros Loup, et ben il écrase le petit ours, et ça lui fait mal, et il a peur. Il a plus trop envie de jouer avec son copain le Loup Gris, du coup. En plus, le Gros Loup Gris, il dit à Petit Doux que s'il répète ce qu'il lui fait, et ben il le mangera tout cru. Donc Petit Doux, il sait plus trop quoi faire, quoi. Il est triste, il a peur, mais en même temps il sait que c'est pas normal et qu'il faut que ça s'arrête. Donc il va aller le dire. En fait. Et il va aller répéter tout ce que Gros Loup Gris lui a fait, et Gros Loup Gris sera puni. Et il ne recommencera plus. Voilà. C'est le seul album jeunesse que j'ai lu qui traite de ce sujet-là. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me donner les refs, parce que c'est un sujet qui n'est pas souvent traité, qu'on n'a pas trop envie de traiter, hein, faut avouer. Mais c'est important d'en avoir quand même, que ça existe. Après, ça peut être aussi tout simplement raconté à des enfants qui comprendront pas forcément les subtilités de sa dénonce. Ça aura le mérite de les inciter à ne pas se laisser enquiquiner par les plus grands, quel que soit le préjudice posé. Bisous !